Bon matin, jour 11 de 90. Et oui, les 3F, on continue notre beau challenge. Et naturellement, comme tu peux bien voir ce matin, va chercher tes petits pois. Et peut-être que tu n'as pas encore acheté ton miroir. S'il te plaît, investis sur toi-même. Un beau miroir plein pied pour pouvoir bien voir tes mouvements. Parce que ce matin encore, je te propose 3 mouvements. 3 mouvements super simples. Hein, on est dans les 3F. Force, flexibilité et le focus. Et notre étirement sera sans les poids. Alors, si tu n'as pas de petits poids, ben commence juste avec le poids de ton corps. Ça sera merveilleux. Et si tu veux en savoir plus et que tu ne veux rien manquer, parce qu'on sait très bien que retrouver, optimiser sa forme, sa santé, ben c'est pas seulement en bougeant 5 minutes. Parfois, il faut améliorer l'eau bouchée. Parfois, il faut boire un petit peu plus d'eau. Parfois, il faut dormir. Puis parfois, ben, il faut aller jouer dehors. Tout ça ensemble amène des super résultats. Alors, ce matin, petit poids, t'es prête? On est toujours nu-pieds, bien groundé au sol. On peut ouvrir un peu les pieds si t'es plus confortable. Et on retrouve notre belle posture d'hier. On pousse les épaules derrière. Et naturellement, on va commencer par nos belles épaules et on monte. On crée une belle ligne et on redescend. Ici, t'as bobo aux épaules, tu y vas comme tu peux. Mais les deux bras se suivent également. Et rentre bien le bedon, travaille toujours les abdos et le bas du dos en tout temps. Et on monte. Et comme on travaille la force, ben tu y vas jusqu'à temps que je commence à être fatigué. C'est ça l'important. Oui, alors tu peux répéter 10, 12, 14, 15, puis rendu à 15 là. Si c'est encore vraiment facile, peut-être qu'il est temps d'investir sur des poids un peu plus lourds. Alors, on continue comme ça, belle position, juste les coudes qui montent pour former une belle ligne. Et là, on y va pour les biceps. Alors, on tourne, on est collé sur le corps et on fait juste plier les bras vers l'avant et on redescend doucement. Tout doucement, on travaille la force. Ouais, super. Ressens jusqu'aux cuisses, remonte le plus haut possible. Poignet bien droit. Juste le biceps, le muscle du haut du bras qui travaille. Et encore une fois, tu y vas jusqu'à temps que ton petit muscle du haut du bras te dise « Ouh, je commence à être fatigué » ou que tu commences à t'apercevoir que ta belle position commence à se transformer. Parce que oui, quand on commence à être fatigué parfois, on a tendance à vouloir compenser avec le dos. Alors, on va faire ce petit mouvement-là. Hein? Moi, j'appelle ça « swinguer ». Ben oui, on commence à swinguer. Donc, on utilise autre muscle que juste le biceps. Et là, on s'en va derrière. Alors, tu colles les bras, tu soulèves légèrement. Et là, tu travailles bien tes abdos, tu te penches légèrement vers l'avant. Tu pousses les fesses derrière et on pousse derrière les bras. Alors, tu plies et tu déplies. Regarde ça comme belle position. Les petites fesses en l'air, le dos bien droit. Tu regardes devant toi. Même chose. Tu vas loin derrière, déplie et tu replies. Déplie et replie. Garde bien la position étendue. Ouh, c'est difficile. Et on replie. Et on continue. Encore une fois. Et plie, déplie. Toujours les coudes un peu haut. Ouais, super. Et on y va encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on dépose les poids. Puis, notre bel étirement ce matin, simple. On soulève les deux bras, belle ligne droite, et on vient rejoindre comme ça, bien plier nos coudes. Et naturellement, on veut conserver notre belle position. Alors, on pousse un peu les coudes vers l'arrière. On essaie d'avoir la position de la tête la plus droite possible. Le petit menton est en l'air. Donc, en plaçant la tête correctement, bien, il va pousser tes bras vers l'arrière pour bien étirer au niveau des épaules, de la poitrine et naturellement, posture adéquate. J'espère que tu te vois dans ton miroir et que la position est la meilleure. Et si c'est difficile, juste rester les bras en l'air comme ça, tu vas bien ressentir l'étirement. Et on tient pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on remonte, on descend doucement et on reprend nos poids. Wouh! C'est parti les filles, on y va pour une deuxième série et on monte doucement.
Je prends le temps de dire bon matin à Marie-Claude, bon matin Lucienne, bon matin, et mon Dieu, plein de monde. Marie est là, Louise est là. Wouh! Vous êtes en feu, les filles. Et on respire bien. J'ai oublié de le mentionner, mais c'est comme tous les matins. Inspire par le nez, expire par la bouche. C'est ton petit moment de gloire. Yes! Comme je dis toujours, hein, on a des glorieuses, des victorieuses. Allez, on lâche pas les filles. Soulève. Bon matin, Edith. Ouh! Allez, monte. Et monte. Encore. Yes! Belle position. Et là, on tourne, collé sur le corps. Les épaules sont derrière. Tu montes. Hein? Allez, respire bien. Expire en montant pour te donner de la force. Et yes! Et on continue. On continue. Combien de poids, Mélie? Ah, ben Denise, ça c'est différent pour tout le monde. Comme je fais beaucoup de répétitions et je me suis entraînée avant, ben là devant toi, je prends des 5 clips. Mais quand moi je m'entraîne, parce que ça fait des années que je m'entraîne, ben c'est des 15 livres, des 17 livres, et je vais jusqu'à 20 livres. Après ça, j'ai tendance à me blesser. Alors j'arrête à 20 livres, mais naturellement à 20 livres, je ne fais pas toutes ces répétitions. Des fois, je fais 5 répétitions, 6 répétitions. Alors, vous commencez avec le poids qui vous fait du bien, mais qui vous fait travailler. Hein? On continue. Et là, on s'en va derrière. Alors, facile, colle tes bras sur ton corps, soulève les coudes, penche-toi doucement et tu y vas. Pousse derrière. Et yes! Travaille bien le petit mou. Ouais, on n'en veut plus de petit mou. On y travaille. N'oublie pas de rentrer ta bédaine, protéger ton dos parce que oui, on est penché. Les petites fesses sont retroussées, nos genoux sont fléchis et on continue. Et on y va pour 5, 4, 3, 2 et on dépose. Et on y va pour notre bel étirement. Tu montes, tu viens croiser comme ça tout simplement et naturellement. Tu encadres ta belle tête. Position du corps. Hein? Focus sur la position. Pousse un peu les bras derrière. Regarde. Belle position de la tête. Et si tu as tendance à... Ouh! Mais vas-y juste comme ça. Et tout doucement, tu pousses vers l'arrière pour retrouver ta belle posture. Allez les épaules. Derrière. Retrouvez votre flexibilité. Et on tient. Oh, qu'on est bien. C'est comme si on était sur une belle serviette couchée sur la plage. Et on respire par le nez, on expire par la bouche. Rentrez bien le bedon, le dos est bien tendu. Et 5, 4, 3, 2, 1, et yes! C'est fait! On a terminé déjà notre bel entraînement. T'es fière de toi, j'en suis certaine. En tout cas, j'ai des beaux compliments. Les filles ont du plaisir et elles continuent. Yes, c'est ça l'important. Et tu vas voir au cours des semaines. Et peut-être que tu verras zéro changement au bout de 30 jours. Le seul changement, c'est que tu auras été au rendez-vous tous les jours. Que tu auras été persévérante et courageuse de transformer ta vie. Ça, c'est quelque chose. C'est pas rien. Mais c'est vrai que le petit mou, il va peut-être être encore un petit mou. Puis ça se peut que la cuisse, elle a encore son petit bourrelet. Puis la bedaine aussi. Mais peut-être que tu es juste prête pour faire ce 5 minutes-là en ce moment. Et c'est parfait. Mais si tu as le goût d'aller juste un petit peu plus loin, comme Lucienne a décidé, comme Edith a décidé, comme plein de filles ont décidé de justement passer à l'action 100%, ben, t'as encore le temps de t'inscrire à mon beau challenge 60 jours. Tout à fait différent. Tout à fait différent que ce challenge de 5 minutes. C'est un petit peu plus challengeant. Un petit peu plus. Un petit peu plus épeurant. Et je dirais que c'est fait pour tout le monde. C'est fait pour les penseurs, et les faiseuses. Moi, je suis une faiseuse. Moi, là, quand je décide quelque chose, je pars. Des fois, je ne sais pas où je m'en vais. J'ai pas décidé par où j'allais passer, mais je pars. Mais des fois, je me perds. Mais j'ai aussi mes penseurs, ou mes penseuses. Ah, eux autres, ils pensent.
Puis depuis 5 ans, 4 ans, 3 ans, j'en ai qui m'écrivent tous les mois. Je suis pas prête encore. Ah, j'ai pas fait ci encore. Ah, ben là, ça va être Noël. Ah, puis là, ben c'est la fête de mon conjoint ce mois-ci. Puis là, là, au mois de février, ben ça va être la Saint-Valentin. Que je vais faire le jour de la Saint-Valentin. Hein? Ben, tu vas continuer ta nouvelle routine parce que t'es courageuse, t'es persévérante et tu vas passer à travers. Parce que si tu joins mon challenge 60 jours, mais pendant 60 jours, tu vas être courageuse, tu vas être persévérante, puis ça ne sera pas très difficile parce que tu auras une belle gang de femmes qui vont faire la même chose que toi, puis qui vont te pousser, puis qui vont dire « t'es bonne, t'es capable, t'es bonne, t'es capable ». Et ton petit mindset, tu vas dire « ben ouais, Saint-Valentin, mange un steak pour mettre du bon beurre dessus. » Ben oui. Puis la boîte de chocolat, ben je vais la donner à mon chum. Je vais y redonner. Ou à place, je vais lui dire, hey, mon amour, cette année, pas besoin d'aller pour la boîte de chocolat. Non, c'est les fleurs, le parfum, le petit maquillage. C'est ça que je veux cette année. Je me choisis, je suis courageuse, je suis persévérante. Pourquoi? Parce que je vais aller mieux, parce que je vais être top, parce que j'en veux plus de douleur, parce que j'en veux plus de bédaine, parce que j'en veux plus de brûlée, parce que je vais être capable de me regarder dans le miroir et être fière de moi. Alors, que tu sois la penseure ou penseuse ou la faiseuse comme moi, qui s'est perdue bien des fois ou qui a arrêté parce qu'elle pensait savoir quoi faire, clique sur le lien et inscris-toi. Noane qui est là, hein, puis Lucienne qui est là, ils l'ont fait. Elles l'ont fait et je suis certaine qu'elles ne regrettent pas. Ils apprennent plein de choses. Alors, qu'ils soient penseurs ou faiseuses, tout le monde y trouve quelque chose. Et après 60 jours, oh my God, les résultats sont incroyables. Alors voilà, et naturellement, si tu es une faiseuse, puis que tu es partie sur ton chemin, parfait. Puis si tu es une penseur, puis tu as encore besoin de penser, bien continue. Il y aura le mois de février. Mais je suis certaine, que la bédaine va être encore là au mois de février. Et peut-être que tu auras continué à avoir des moins bonnes habitudes, à manger ici et là. Et là, la bédaine, elle aura peut-être poussé un peu. Alors, il y aura le mois de février. Alors, sur ce, je te souhaite une super journée. Et naturellement, au moins, sois au rendez-vous demain parce que tu es courageuse, tu es bonne, tu es capable. Sur ce, bonne journée. Bye les filles.